How are you? You leave her uncomfortable with food, or you put a food over? Come on. Get that bloody hand out of the way. Come on. Don't be a little... Usually go straight for it. Here we go. Oh, excuse you. Catch your hand. It's Chloe. It's Chloe hooking on. Mm-hmm. Told you, she's a little garbage. She's pretty keen. So we don't really like this side. You're not going to give me hell today, are we? Come on. You're not latching onto it properly. You're being lazy. Hmm? That's better. Come on. That's good girl. No. Come on. Oh, she's a little pig. Oh, that's where she gets it from her dad. Yeah. What do you think? It wasn't from mum? That's the girl. Alors voilà, on est à Wells Street. Il est 3 ou 4 heures d'après-midi, je viens de rentrer de l'hôpital. On a été voir Ellen et Chloe. Je suis chez les voisins à Wells Street. Et voilà notre maison. Comme vous le voyez, c'est un cul-de-sac. L'autre qui tend son gazon là-bas. Et puis je vais aller rentrer par là. Le garage. Vous avez déjà vu un garage. On va aller dedans. Numéro 2. 2. Ça c'est le devant de la maison bien sûr. Hop, le salon, avant qu'on ait... On va refaire le... Vous voyez, les tapis sont super beaux. On va enlever ça. Et puis, quelqu'un qui va venir dimanche nous faire les sols. Oups. L'autofocus a des problèmes. On va bouger l'intérieur. Focus. Dans la chambre numéro 1. Ils auraient des superbes lampes. Enfin celle-là, ça va encore. Celle-là, on va peut-être même la garder. Vous n'avez pas encore fini de vous marier avec les lampes par ici. Bang. En voilà une. Je sais pas où c'est qu'ils vont aller chercher leur lampe là. À l'entrée. Oh, je vais quand même rentrer par la porte. Hop. Et voilà la porte. On a le salon à gauche. Et puis je rentre par la porte.
avec la superbe lampe. Comme vous voyez les tapis, on a commencé à enlever tout ça. La copine elle est en train de démonter les murs. On va repeindre. Quelqu'un qui va venir ce week-end pour faire là où il y a ce tapis horrible. On va enlever. Ils vont nous poncer les sols et peindre tout ça. Une autre superbe lampe. Hop. Lovely carpet. Alors là, il y a le Neck Plus Ultra, ça c'est ma préférée. Ta-da. Alors c'est ça, c'est pas une lampe, hein. Moi je suis le pape. Alors celle-là, elle va gicler assez vite. Là, on est dans le... la salle à manger, en fait. C'est juste à côté de... Bon, là, il y a du bordel par terre. On a déjà commencé à gratter les murs. C'était du papier peint. Alors, on va repeindre les murs, mais il faut d'abord enlever le papier peint. Alors, la copine, elle se fait chier. La cuisine. Le frigo. Il est bien, ce frigo, hein, mais invisible. Le seau. Qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Pas grand-chose. Ouais, enfin, c'est une cuisine, quoi. Alors là, on avait dit... ça va manger, comme ils disent. Et puis alors là... la sunroom. Ici, c'est là où la petite vieille qui était là avant dormait. On va enlever le lit, on va mettre notre bureau ici. Petite chambre, 3 mètres sur 2, ou 4, j'en sais rien, 3 ou 3. 3 sur 3, ça va faire impeccable pour le bureau. Et puis, ici, c'est le backyard. Alors, je vais vous montrer la machine à laver le linge. Enfin, pour le moment, c'est qu'un ailier. Et puis depuis là on va voir la véranda. Donc ça c'est tout avant qu'on commence à faire des travaux dans la baraque. Comme ça, vous pouvez voir le avant et après. Une chambre pour mettre du bordel dedans. Les chiottes dans le backyard, tranquille. Il marche et puis on est dans le backyard. Aujourd'hui c'est le 20 avril. On vient d'aller voir Ellen et Chloe. Premier jour, grand soleil. Il fait bon aujourd'hui. En plus il a commencé à faire un peu plus frais ces derniers temps. Il faisait 21-22 degrés. Il y a l'hiver qui arrive quoi. Mais là aujourd'hui il fait bon, il doit faire en tout cas 24-25. Je dirais même peut-être un poil plus. Alors ça passe bien, on est venu filmer un peu pour vous montrer la maison. Le truc de linge là, ça va gicler. On va la mettre plutôt, je vais vous montrer à côté du garage là derrière. Là contre ce mur. Avec, c'est des lignes qui vont parallèlement au mur, d'un côté à l'autre jusqu'à la fenêtre comme ça.
Et puis voilà, ça nous gagne de la place. Et puis, ouais, le jardin, là. Là, on peut faire des pâtés, je sais pas quoi. On va nous faire des patates, toutes les conneries. Par là, des carottes. Enfin, ils se démerdent avec leur jardinage. Moi, je m'occupe du bureau, et puis... la peinture et tout ça. Moi, je change les lampes aussi. Ça, alors, ça va pas faire vieux, quoi, je veux dire. Mais je l'aime bien, cette petite lampe qui fait soucoupe volante, là. Je vais peut-être la mettre dans le bureau. Je vais la repeindre. Voilà. Et puis quand on regarde la maison depuis ici, depuis le backyard, cette plante qui est juste là, droit devant vous, elle va gicler, parce qu'elle est pas belle. Ou alors je vais la couper. Je dirais qu'il y a en tout cas les trois quarts qui va gicler. Et puis voilà, c'est super sympa, comme vous voyez. Alors, je vais aller retourner dedans, parce que j'ai pas fait la deuxième chambre et la salle de bain. La célèbre salle de bain bleue. C'est d'un goût. Sunroom. Je sais pas si je l'avais filmé avant. Hop. Off we go. Super ballon. Avant qu'on vienne la salle de bain, on va vous montrer un peu les goûts qu'elle avait, cette vieille dame. Ah, puis là, il y a une lampe de nouveau. Celles-là, elles sont pas mal. Ça va encore. On va les garder. Puis elle nous a laissé un de ces bordels. Elle nous a laissé deux plumards. Regarde un peu le style de la tapisserie avec les plaques en bois blanc. J'ai l'impression qu'elle a dû se dire qu'on allait les garder. Et puis là, la super commode avec du bois, alors je te dis pas, ça c'est du vrai. Ça va gicler. Par contre, elle nous a laissé une autre commode dans l'autre chambre, je vais aller vous filmer ça, qui est une autre commode, une autre étagère, une commode quoi. Une armoire qui est beaucoup plus, un peu plus jolie quoi. Et puis là, celle-là on va la garder, elle a beaucoup de place, elle a des trucs là, bang bang bang. On va s'y poncer ses portes, c'est d'un horrible, c'est brun caca. Je vous ouvre les armoires. Superbe, c'est vide. C'est génial. Et puis, on va vous filmer la pièce de résistance. Là, de nouveau dans le salon. Qui donne sur le devant avec la grande fenêtre. Alors, ça va être chouette avec le bois, là. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est du bois qui a été teinté noir, juste là-dessous, mais une fois poncé, il va revenir à peu près, ils disent honey, couleur miel. Donc on va faire ça ce week-end. J'essaye d'éviter la salle de bain, mais on va quand même devoir y aller. Oh, mais quelle horreur! Alors, tu vois, il y a les petites fleurs. C'est un goût. Salut, c'est Michele. Papa Michele. Bon, c'est vu. Comme vous voyez, pour la douche, ça va bien, les grandes bonnards. Par contre, le bain, le mec, il va dans la douche, il perd 3 ou 4 cm, puis après, il va dans le bain, quoi. C'est un bain pour pygmée, ça. Ouais, enfin, c'est pas grave. On s'asseye dedans, quoi. Hop. Les commodes et les machins. C'est super. La lampe. Complètement annihilée par les lampes. Et voilà, on a fait le tour, j'ai l'impression. Un petit peu le front est hard. Là, on va mettre une petite table à café, petite table ronde, toute petite avec deux chaises. On peut venir faire le déjeuner devant, regarder un peu chez les voisins. Émile, quoi.
Et voilà, la voiture. C'est tip top. On s'y croirait. Hein. Et puis ouais, à part ça, ben Chloé, super. On va vous la filmer dans un moment. Je l'ai déjà filmé un peu avant, mais on la filmera dès qu'elle va prendre un bain là, cet après-midi. On va filmer tout ça. Vous envoyez ça par express ou le plus vite possible, quoi. Alors je retourne de nouveau dans le jardin. J'aime bien ce palmier là. Moi je vais résoudre leur problème avec leur backyard. Je vais en foutre un comme ça droit au milieu. Ça va être très sympathique. Avec tous ces jardiniers d'enfer là. Hop, le palmier au milieu, mon hamac dessous, et c'est fini. Régler l'histoire. En plus ça coûte pas grand chose. Hein. Et voilà, la belle maison. Vendue. La boîte aux lettres. Allez, je vous vois plus tard à l'hôpital avec Alan, hein. Ciao. Le garage. Ici c'est bien parce que t'as un garage juste derrière le garage. Je vais aller marcher par là-bas, vous n'avez pas encore vu ça. T'as de la place pour 3 voitures ici. Juste devant le garage, plus une dans le garage. Et puis il y en a encore de la place pour une de l'autre côté du garage. Je pourrais ouvrir un garage ici. Bon, d'abord, il faudrait que j'apprenne à réparer les bagnoles, quoi. Les poubelles, sympathique. Mmh, elle pue. Ouais, bon, ça marche pas en vidéo. Et voilà, le gars. Oh, la porte du garage, j'avais même pas encore vu, moi. Il y a une porte pour le garage. J'ai même pas encore été dans le garage. Je vais devoir y aller pour avoir un peu une idée de la lampe qu'elle a dû installer dans le garage. Ça va être sympathique. Là, tu vois, il y a un truc devant le garage, de l'autre côté. Donc tu peux parquer ta bagnole ici. Il y a quelqu'un qui peut la parquer dans le garage. Quelqu'un d'autre derrière ça, donc tu as de la place pour les voitures. Ça, c'est juste à côté où on va mettre notre ligne pour le linge. Et on est de retour dans le backyard que vous avez vu avant, que j'ai filmé déjà. Hop, le voisin. On verra, on va peut-être garder cette ligne. Moi j'aime bien ces genres de lignes, c'est facile à utiliser. Allez, je vous salue tous. Gros bisous à tout le monde. Merci encore beaucoup pour tous les cadeaux. Et puis on vous enverra des tas de photos. Je vais vous envoyer cette vidéo dès que je l'ai faite. À la prochaine. Gros bisous. Merci encore. Ciao. Bunny? Yeah. Up she goes. In the room a bit. Fridge? Beautiful. Up, autofocus is on. There's hardly any Sydney view. Town. Sydney. Here we go. Hello. Yes. Chloe. Ooh, we look tired. No. Another. She's a beauty. You're a big girl. Where are we? Mm-hmm. Here we are. We're dead. Mm-hmm. We're dead.
daddy. Little feet. Where are the feet? There they are. Look at that. Look at that. For a footballer. Hi. Oh. A big yawn. Tired again. Hold on, I'll give you a hand in a sec. Look, Lolo, she didn't inherit our genes. She's not screaming her head off. Chloe. Yes. Yeah, she's looking at you now. Hello. And you're dead. Whoops. Qu'est-ce qui se passe? Photo. Look at that. Oops, big blurry again. Yeah. Just stick your finger up the nappy. Kind of like that's funny. He gets me at the bad time, yeah. It's a girl. She's whinging all the time. That's it. But she's a beautiful girl. Yes. Who does she look like? Deep blue like Marshall. Just like Chloe. She looks like she must have had a fart. She got rid of her head. Here we go. She's a happy girl again. Boobies! That's it. That's all she wants. Get your hand out of the way. You don't need your hand there. Baked dinner. I could do with a baked dinner. Come on. God, that's one thing I'm not going to miss is a bloody hospital food. Oof. Told you. That's crap. It's like for breakfast we had. I had spaghetti with this omelette with something, you know. Spaghetti and eggs. No, I'll sit on the bed. I had one bite of it and that was it. Nice. Come on. So hello, you family. They kept clean. Oh, stop moving, darling. Your skin's going to drop it. That's it. But try to use it only just the once on each eye. Oh, okay. Like just so that goo doesn't go on. That goo. Good. Yeah, right, okay. That kind of thing. Yep. But they're clean anyway, I'm just showing you. See, they do like it. Takes a while to settle. It's just nerve-wracking. I'm always I'm scared I'm going to drop her in the head under the water. Oh, she's perfect. Can you wash she's been in water when for you, when, you come to, when it comes to that. You would just do what you're doing, but maybe bring your hand around a bit more. Like that? Like you would. No, you're wrong. Just I've got her. Yeah. You got her? Yep. So, you would wet it. Like that. Just hold bring her underneath it in, the base of it. Yeah. Neck. And then wash her and then just rinse it off again. Yeah. Right. And I'll just show you how to put it on the tummy. Mm-hmm. Because babies love tummies.
Rest it. There. They love being on their tummies. No, I'd be too scared. I'd drop her. Just like that. So they can kick around and... So do you want to have a go? I'd be too scared of dropping them. Just put under the arms. It's going to become natural the second time you do it. That's it. Oh, God. Lift her right up. Is it? Yeah, excellent. She's not in the water, is she? Her head? No. I just love she it. Can be. If your hand is not in the water, she won't be. Oh, no, I just... Because they love to stretch. Yeah. Do you look like a red I'll have to learn this as well. It's just a lot of hormones. Yeah. And it's the air. They're just getting used to our environment. They come and go very quickly. And she likes a bath. Now she's gotten used to it. Probably feels like she's still in Mum's tummy in that water. That's why you make her fairly hot. Because we're 37 degrees and that's quite hot, you know. I'll turn you back around the other way. Here we are. It's okay. They're slippery. I'm sorry, sweetie. I'm sorry, darling, I know. That's it. Good. And you can use baths for settling. Yeah. If they're very cranky, have a bath and put your baby in there. I might help her settle down later on tonight too, a bath, and then I'll give her a feed after this. Yes. Yeah. Do you need to check her again for a I need to do sugar? That, sugar. Yeah. And just clean it with soup water. Mm-hmm. It gets a bit gushy. And when you put the nappy under it, so it's exposed. Yeah. The more it's to the air, the better. What's up, my darling? What's up, my sweetness? Do you enjoy your bath? Do you enjoy your bath? Just watch her while I grab some clothes for Yes. Oh, Lord. Look at those feet. Thank you so much. What's up there if you need some? Oh, thanks. Hello. All right. Here we go. Oh, gee, you can feel a head in that. I'm sorry, darling. Is this your first grandchild? No, this is my fifth. But I've had three new ones in the last 3 weeks. Really? Son and his wife had their first on the 31st of March. Where's your mum? And Mum had her third on the 1st of April. And then now and then. Busy, Nana. Stop filming while I'm doing this, darling. Why? When did you start? Just now? About 5 minutes ago, I think. Was there a wet or dirty nappy? It might be that. You're right. Chloe. Oops, it's getting blurry. Probably me moving it. No, it's just the autofocus. Oh yeah. Look at lovely it, she's Chloe got the peace sign. She's got the peace sign happening. Regardez un peu les cheveux qu'elle a. She's got the peace sign happening. Mum. Don't pull me boob with your fingers, thank you. Hello.
That's what we want. Garbage disposal. Mm-hmm. Isn't she lovely? Mm-hmm. Lovely little hands. Little hands. Oops, it's getting blurry again. Sorry, that was me. The autofocus. I'll turn it off. Mm-hmm. Busy man. Ooh.